Les aventures de Captain Matt et Supermatique. Aujourd'hui, ballons en fuite. Tout le monde attend l'événement du jour à la foire du Grand 8, le concours de gonflage de ballons. Cette année, le premier prix fait rêver les audacieux, un voyage en ballon. Raoul, champion invaincu des gonfleurs, se présente le premier, avec, comme toujours, beaucoup de ballons. 62 en tout. Qui pourra rivaliser? Papy Oula est venu défier le champion, mais aucune chance avec ses 5 ballons. Raoul va remporter le premier prix. Mais coup de théâtre! La petite Jeanne, très motivée par ce voyage, a gonflé 78 ballons. C'est Jeanne qui va monter sur le podium sous les applaudissements. Mais Raoul est mauvais perdant. Il prétend que Jeanne en a moins que lui. Il revendique sa victoire. C'est au juge de trancher. Sauf qu'il n'y voit pas grand-chose. Tout semble perdu pour Jeanne. Son voyage en ballon s'envole. Et pourtant, elle est certaine d'avoir toujours plus de ballons que ce tricheur de Raoul, qui en a profité pour en faire disparaître 15. C'est une mission pour Mathématique. En route pour l'aventure, Captain Math et Supermatique, à la rescousse. Nos héros parviendront-ils à départager les deux concurrents? Jeanne avait 78 ballons au départ, et 15 se sont envolés. Combien en reste-t-il? Il va falloir soustraire 15 à 78. Nos héros sont prêts à poser la soustraction 78 moins 15. Supermatique place le premier nombre, 78, puis le deuxième, 15, en dessous, en alignant les unités et les dizaines. Ensuite, Captain Matt lance son super moins et sa méga barre. Il commence par soustraire les 5 unités de 15 aux 8 unités de 78. 8 moins 5 est égal à 3. Puis on s'occupe des dizaines. 7 moins 1 est égal à 6. On trouve donc 63. Comme Raoul a 62 ballons, c'est Jeanne qui gagne d'un ballon. Heureusement que Raoul n'a pas su compter. Mais il n'a pas dit son dernier mot. Il ne s'attendait pas à ce genre de voyage en ballon. Bravo, Captain Matt et Supermatique. Mission accomplie. En route pour de nouvelles aventures. Parviendront-ils à gagner la figurine de super-héros à la pêche au canard? Vous le saurez en regardant le prochain épisode, La vengeance du canard en plastique. Les aventures de Captain Matt et Supermatique. Aujourd'hui, le pont du ruisseau Kouaï. Depuis de nombreuses années, Papy Oula essaie de relever un défi impossible. C'est une obsession. Construire un pont solide sur le ruisseau Kouaï qui traverse son jardin. Il a toujours échoué jusque-là, mais cette fois, il a pris 6 fagots qui contiennent 10 morceaux de bois chacun et 3 morceaux en plus. Ce qui fait 63 morceaux de bois. Papy Oula voit les choses en grand pour son pont. Et voilà, Papy Oula a réussi et avec seulement 18 morceaux de bois, il va pouvoir inaugurer son chef-d'œuvre. A-t-il seulement vaincu le ruisseau Kouaï? Il traverse enfin, mais... Catastrophe! Il s'écroule encore. Il y a comme une malédiction sur ce pont du ruisseau Kouaï. Et il vient de perdre 18 morceaux de bois sur les 63 qu'il avait au départ. Mais Papy Oula ne renonce jamais. Seulement, de combien de morceaux de bois peut-il encore disposer pour faire un pont plus solide? Pour le savoir, il va falloir faire la soustraction 63 moins 18. C'est une mission pour Mathématiques. En route pour l'aventure! Captain Matt et Supermatique à la rescousse.
63 moins 18. Pour faire ce calcul, ils vont poser l'opération. Supermatic écrit 63 en premier et 18 en dessous, en alignant les chiffres des unités et ceux des dizaines. 3 moins 8, on ne peut pas le faire, car 3 est plus petit que 8. Mais nos héros ont une arme secrète, la méthode de cassage de dizaines. En prenant une dizaine et en la cassant en 10 unités pour l'ajouter aux 3 unités, on peut faire 13. Et il reste 5 dizaines puisqu'on en a cassé une. 13 unités moins 8 unités égale 5. Et 5 dizaines moins 1 dizaine est égal à 4. Il reste 45 morceaux de bois. Bien assez pour construire un pont solide. Avec plus de 18 bouts de bois cette fois. Malin! Nos héros en ont pris le double. Avec 36 morceaux, le pont va être super solide. C'en est fini de la malédiction du ruisseau Kouai. Grâce à nos super-héros, Papy Oula franchit fièrement son pont. Mission accomplie. Mais 45 morceaux de bois moins 36, ça fait 9. Ils les ont bien mérités et ils vont pouvoir s'en servir. Parviendront-ils à réparer leur cabane avec ça? Vous le saurez en regardant le prochain épisode, La cabane du monde perdu. Les aventures de Captain Matt et Supermatic. Aujourd'hui, Opération Blizzard. Nounou Klinuit doit vite se construire un igloo en prévision du grand blizzard. Le vent de la banquise est redoutable. Il doit se protéger avant de devenir un Eskimo glacé. Et il a fait 302 briques. Parfait quand on sait qu'il faut au minimum 100 briques pour faire un igloo. Un ours polaire! Oh, oh, pas de panique, il fuit simplement la tempête. Catastrophe! Ce gros balourd a cassé la banquise et les briques sont tombées à l'eau. Reste-t-il assez de briques à Nounouk pour faire un igloo? Il y a urgence. C'est une mission pour mathématiques. Captain Matt et Supermatic à la rescousse! Nounouk avait 302 briques et 154 sont partis à l'eau. Combien en reste-t-il? 302 moins 154. Une soustraction titanesque. On place le premier nombre 302 et le deuxième nombre en dessous, en alignant les unités, les dizaines et les centaines. On commence par soustraire les unités. 2 moins 4. Ah! On ne peut pas enlever 4 unités quand il n'y en a que 2. Mais Captain Matt et Supermatic ont une super technique qu'on appelle la méthode par cassage. On n'a pas assez d'unités dans le nombre du haut. Alors on va voir si on peut casser une dizaine en 10 unités. Mais il n'y en a pas. Alors on doit casser une centaine en 10 dizaines. Maintenant, il reste 2 centaines et il y a 10 dizaines. On va pouvoir en prendre une pour l'ajouter aux 2 unités. Il reste 9 dizaines et on a 12 unités. Et voilà le travail. Pour les unités, 12 moins 4 est égal à 8. Les dizaines, 9 moins 5 est égal à 4. Les centaines, 2 moins 1 est égal à 1. Ce qui donne 148 briques. Formidable! Plus de 100. C'est largement assez pour un igloo de bonne taille. Mais vite, la tempête approche. Juste à temps. Et une nouvelle amitié commence, car Nounouk invite l'ours dans son igloo. Mission accomplie pour mathématiques. Mais retrouveront-ils leurs esquimaux vanille chocolat, lamentablement fondus sur la plage? Pour le savoir, ne ratez pas le prochain épisode. Alerte fonte des glaces.
Les aventures de Captain Matt et Supermatique. Aujourd'hui, le record d'Hector. Et nous rejoignons Hector Non-Non, qui tente de battre le record de saut à cloche-pied à l'envers. Pour l'emporter, il devra faire moins de 53 secondes, le record historique de cette étrange discipline. Victor tient le chronomètre et le fidèle Ian donne de la voix. Et voici Hector qui franchit la ligne d'arrivée. Victor hurle de joie. Le record est battu de 14 secondes. Hector demande son temps exact, mais... Oh ! Dans son élan, il semblerait que Victor ait égaré le chronomètre. Hector est déçu. Il veut savoir précisément le temps qu'il a mis. Mais Victor est confus. Il a oublié le temps du chrono. Hector insiste. Un record battu de 14 secondes, cela ne lui dit pas le temps qu'il a mis. Apparemment, Victor a la solution. Pour connaître le temps exact, il suffit de trouver la différence entre les deux temps. Le record était de 53 secondes et Hector a mis 14 secondes de moins. On va donc calculer 53 moins 14. Pour poser l'opération, Hector écrit le premier nombre, 53. Puis dessous, en alignant les unités et les dizaines, il écrit 14. Ensuite, Hector commence par la colonne des unités. Il n'est pas possible de retirer 4 de 3. Donc, ça fait... Les frères Non-Non se concentrent. 3 moins 4, ça fait... Ça fait une bonne raison d'appeler Captain Matt et Supermatique. Message reçu. Les super-héros sont en route. Quelle rapidité! Il ne faut qu'une seconde à Captain Matt pour saisir le problème. Pour retirer 4 de 3, Supermatique lance son rayon laser et ajoute une dizaine aux 3 unités de 53 en écrivant un 1 à côté du 3. Et pour ne pas modifier le résultat de l'opération, elle ajoute aussi une dizaine au nombre du bas. Elle écrit un 1 sous le 1 de 14. La soustraction peut se poursuivre. 13 unités moins 4 unités égale 9. 5 dizaines moins 1 plus 1, 2, ça fait 3 dizaines. Le résultat est 39. Le record d'Hector est de 39 secondes. Les frères Non-Non remercient Captain Matt et Supermatique et leur offrent un tour de colline à Dodan. Ne manquez pas le prochain épisode des aventures de Captain Matt et Supermatique, les joies du camping. Les aventures de Captain Matt et Supermatique. Aujourd'hui, babysitting chez Mamie Oula. Mamie Oula s'est absentée. Mais heureusement, elle peut compter sur les frères Non-Non pour garder Jeanne et la faire réviser. Cela tombe bien, car Jeanne éprouve quelques difficultés à faire une soustraction. Les frères Non-Non sont ravis de pouvoir l'aider. Hector est le plus fort en soustraction. « Ah non, soutient Victor, c'est lui le plus fort. »« Tant mieux, avec deux experts, cela devrait être une formalité. » Pour la poser, Jeanne aligne colonne par colonne les unités, puis les dizaines, puis les centaines. La soustraction est la suivante, 327 moins 134. Jeanne a déjà commencé par la colonne des unités. Elle a noté 7 moins 4 égale 3. Cependant, elle bloque sur la colonne des dizaines. Comment fait-on pour retirer 3 de 2? Ah, Hector s'excuse, il doit faire quelque chose. Et pour faire patienter, Victor se lance dans sa fameuse imitation du kangourou. Mais que fait Hector? Incroyable! Il lance un appel pour Captain Matt et Supermatique. Message reçu! Les super-héros sont en route. Captain Matt évalue la situation. Il n'est pas possible de retirer 3 de 2.
Vive comme l'éclair, Supermatic assure que la technique de la retenue va permettre de soustraire les dizaines. Hector explique fièrement que c'est la technique de la retenue qui va les aider, mais... Oh, il se rend compte qu'il ne sait pas ce que c'est. Heureusement, rien n'est joué. Les super-héros reviennent à la rescousse. Supermatic ajoute une centaine au nombre du haut. Et pour ne rien changer à l'opération, elle ajoute une centaine aussi au nombre du bas. Hector pointe fièrement la retenue dans la colonne des dizaines. Cela ne fait plus 2 moins 3, mais 12 moins 3, ce qui fait 9. Mais oui, bien sûr! Puisqu'on a ajouté une centaine, soit 10 dizaines, aux dizaines du haut, il faut ajouter une centaine aux centaines du bas. Pas de jaloux! Hector reprend avec Jeanne. Il pointe la retenue au nombre du bas. Cela ne fait plus 3 moins 1, mais 3 moins 2. Et c'est Jeanne qui conclut brillamment. 3 moins 2 égale 1. Le résultat est 193. Bravo à elle! Évidemment, elle n'oublie pas de remercier ses deux super babysitters. Ne manquez pas le prochain épisode des aventures de Captain Matt et Supermatic, le trésor de Mamie Oula. Les aventures de Captain Matt et Supermatic. Aujourd'hui, la barbe à papa de Mamie Oula. Cet après-midi, Oups le chien a une mission. Acheter une barbe à papa pour le petit-fils de Mamie Oula. Mamie Oula a donné 9,50 € à Oups. Et le chien a le droit d'acheter ce qu'il veut avec la monnaie. Oups sait très bien ce qu'il veut. Une barbe à papa pour le petit-fils de Mamie Oula. Et une barbe à papa XXL pour lui-même. Et encore, une sucette en forme d'os. Mais la caisse enregistreuse de Raoul tombe en panne et Oups attend sa monnaie. Encore une mission opération pour Captain Matt et Supermatic. Captain Matt et Supermatic à la rescousse! Sans perdre de temps, Captain Matt et Supermatic font l'addition pour connaître le total à payer. 2,60 plus 4 plus 1. 2,60 plus 4, ça fait 6,60. Plus 1, ça fait un total de 7,60. Oups, doit donc payer la somme de 7,60 €. Prends-en de la graine, Raoul. Pour savoir combien de monnaie Raoul doit rendre à Oups, Supermatic et Captain Matt doivent soustraire 7,60 € de 9,50 €. Ils utilisent leur célèbre pouvoir pour poser la soustraction. Et voilà, c'est plus clair maintenant. Mais si c'est plus clair. Comme dans chaque soustraction, on commence par la droite. 0 retiré de 0 égale 0. Ça fait donc 0 centième. Trop facile pour des super-héros. Il passe au dixième. C'est alors que Captain Matt rencontre un obstacle. Comment retirer 6 de 5? C'est l'impasse. Non! Grâce à une technique imparable, nos super-héros cassent une unité et l'ajoutent au 5 dixième. De 9 unités, nous passons donc à 8. Plus de problème! On peut retirer les 6 dixièmes des 15. Il reste alors 9 dixièmes. On place la virgule et on passe au calcul des unités. Nos super-héros ne se reposent jamais. 8 moins 7 égale 1. Raoul empoche 7,60 € et il reste donc à Oups le chien 1,90 €, soit 1,90 €. Mission accomplie pour Oups, à condition qu'il arrive à ramener toutes ses sucreries sans les faire tomber.
Ne manquez pas le prochain épisode des aventures de Captain Matt et Supermatique, le mystère du paquet de bonbons. Les aventures de Captain Matt et Supermatique. Aujourd'hui, les étagères de Mamie Oula. Mais que s'est-il passé dans le salon de Mamie Oula? Y aurait-il eu un ouragan? Non, à moins que cet ouragan s'appelle Oups le chien. Notre ami risque de se faire gronder quand Mamie rentrera. Sauf s'il parvient à installer 3 nouvelles étagères pour remplacer celles qu'il a cassées. Ni vu, ni connu. Mais aura-t-il assez de place sur le mur pour fixer ses 3 étagères? Il faudrait faire un calcul pour le savoir. Oups est dépassé. Vite, de l'aide! Captain Matt et Supermatique à la rescousse! Supermatique donne les mesures. Le mur fait 3,5 mètres. La première étagère mesure 1,35 mètres, la deuxième 1,2 mètres et la troisième 0,8 mètres. Ils commencent par calculer ce qu'il restera lorsqu'ils auront posé la première étagère. Nos héros dégainent la soustraction, 3,5 moins 1,35, et ils la posent en colonne. Mais les deux termes n'ont pas le même nombre de chiffres. C'est l'impasse! Supermatique pose un 0 à droite du 5, car 3,5, à savoir 3 unités et 5 dixièmes, est égal à 3 unités et 50 centièmes, c'est-à-dire 3,50. Maintenant, l'opération peut commencer. Impossible de retirer 5 de 0. Nos héros cassent un dixième et le placent dans la colonne des centièmes. De 5 dixièmes, il ne reste plus que 4 dixièmes. 10 centièmes moins 5 centièmes égale 5. Nos héros s'attaquent maintenant au dixième. 4 moins 3 égale 1. Captain Matt place la virgule. C'est maintenant au tour des unités. 3 moins 1 égale 2. Il reste 2,15 mètres. Cela suffira-t-il pour les 2 autres étagères? La réponse, bientôt. Stop! Mamie Oula veut placer un lampadaire ici. Il faut donc laisser entre ces 2 étagères un espace de 0,15 mètres minimum. Il reste donc 2 mètres et la seconde étagère mesure 1,2 mètres. Restera-t-il assez de place pour la troisième étagère? Le suspense est intenable. Nos héros doivent soustraire 2, un entier, et 1,2, un décimal. Rien ne les arrête! Ils savent que 2, c'est 2 et 0 dixième. Donc 2 égale 2,0. Impossible de retirer 2 dixièmes de 0 dixième. Il faut casser une unité en 10 dixièmes. Sur les 2, il reste une unité. 10 moins 2 égale 8 dixièmes. Captain Matt place la virgule et c'est parti pour les unités. 1 moins 1 égale 0 unité, donc 2 moins 1,2 égale 0,8. Oui, cette longueur de 0,8 mètres suffira largement pour installer la troisième étagère. Oui, Oups ne se fera pas gronder. S'il réussit à replacer tous les livres de Mamie exactement comme ils étaient, bien sûr. Ne manquez pas le prochain épisode des aventures de Captain Matt et Supermatique à la conquête du cartable.